formation là. Ouais, auto-info, personne à la tour. Aujourd'hui. C'est rare, ouais. Attends, en plus, t'as une voiture en bas. C'est... Ah oui, bah oui, ça doit être là. C'est surprenant ça. Et notre excellent pilote du jour. J'ai essayé les freins sur 2-3 fois. Oui, j'ai vu ça. Donc là, c'est glouglou max là. Ah, on a un petit travers, ouais, effectivement. Ouais. Attention pour une synchro tri-caméra. Allez. Allez les oreilles. Allez, vas-y, fais une synchro. Plus fort, c'est plus. Voilà. Tu vois, c'est pas si évident que ça. Hein. Bonjour monsieur Johan. Bonjour, bonjour tout le monde. Monsieur Jean-Luc, va bien? Bonjour monsieur. Bon. Ça va au niveau du siège là? Ouais, bah j'ai les genoux dans les dents et à part ça tout va bien. Ah. Tu sais que tu prends de la place hein. Alors, Non, mais bouge pas, c'est bon. Ah non, là c'est pire. Ouais, non, mais il n'aurait pas dû bouger. Non. Et là? Ouais. Voilà. Comme ça là? Là c'est mieux. Parfait. Voilà, nickel. Ça va, c'est bien? Ouais, ah bah moi c'est bon. Ok. Tu vois à l'arrière là, tire à l'arrière. Ouais. On est sur la limite. Alors on va synchroniser celui-ci aussi. Vol prévol effectué, barre de traction enlevée et rangée. Aura à mettre, note tes documents avion au pilote rangé disponible. Là, j'ai rangé la carte, oui. J'ai mis derrière, c'est vrai. Alors on met les cartes. Quand on sera sur Bravo, je pense que tu me donneras celle-là. Ouais. Et quand on passera vertical château après, ça sera celle-là. Ok. Il n'y a personne à la tour aujourd'hui. C'est rare. Intéressant. Ouvert, transfert de carburant poussé. Mais ça arrive. Réchauffe carbone poussé verrouillé, mélange riche, château servitude électrique sur off. Avionique master sur off, contact batterie sur on, autonomie, c'est bon, on a calculé autonomie, alarme, ça c'est bon, balise de détresse anti-colle 1, valière tirée non verrouillée, les freins, les on n'est pas encore attaché, le moteur encore est froid, je vais mettre un point, je vais faire 1, 2, 3, je pousse 10 cm, il n'y a personne derrière. Alors, on a mis en route à 10h07. Et on peut s'attacher. Et bon ce matin. Oui, frais, ben ça... Bah, qu'il y a une bonne patrouille. Pas. Vous m'entendez? Oui, ok. Je te mets 50 minutes, c'est ça, tu Pour le transfert carburant.
C'est moins critique que les... Tout à fait. Ah, mais moi c'est comme vous voulez. Hein. Je vais prendre mes 50 minutes comme ça. On est sûr qu'on n'oublie pas. On peut faire un preview là. Alors. Après mise en route chauffage majeur, 1200. Alternateur sur on, il est sur on. Chargeur batterie dans le vert. Avionique master sur on. Sélecteur essence ouvert. Transfert carburant poussé. Pompe électrique sur off. Feu de nav, je vais mettre sur on. Éclairage bord, dépression gyro correct. GTN sur continue. Fuel bol c'est bon. Donc première route, on a dit. Donc la première route c'est novembre 152. Course heading, je vais mettre 152. Et première altitude 1500. On est à 360 que barreau, on va mettre 360. On va faire un barreau de 1025. Ouais, donc c'est ça. Là je mets 360, 20, 40, 60, ça va faire 1027. 2 hectopascal de différence. Donc altimètre secours réglé, le deuxième est réglé. Ceinture attachée à gauche, attachée à droite, attachée derrière. C'est bon, le transpondeur, on n'a pas de transpondeur, on n'a pas d'heure. Décollage 10h10. Le Nessol de Fox Golf, novembre, Lima, bonjour. L'ogne de Fox Golf, novembre, Lima, ER400, 3 personnes à bord, à l'essence. Des boutons roulage pour la piste 08. Pour un vol à destination de Montluçon, bravo Kilo. L'information du Oscar Serra en finale 08, gazonné pour un toucher. On est numéro 4 pour le relâche, pour le décollage. L'info de Fox Delta 2 fois, je m'aligne à 08 dur et après le décollage sur l'herbe, on décolle. Info du Fox 1 Kilo, bonjour. Fox 1 Kilo, retour de local 2 minutes S, ICO 1200 pieds. Fox 1 Kilo, vous êtes avant ou après Disney? On est au sud de Disney, on passe le travers de Disney, Fox 1. Ok, ça marche, je serai juste derrière. Reçu. La Fox Delta 9 en France, bonjour. Info de Fox Delta 2 fois, je décolle le 0 dire. Donc, essai de moteur, relais de données dans l'axe, frein de parc, serré, sélecteur essence, poussé. C'est que l'extérieur essence au vert, transfert poussé, pression d'huile dans le vert, température presque dans le vert. On est au point d'arrivée. Donc, on va mettre 2000. On pénètre la piste, on s'aligne et on rappelle prêt à décoller une fois de suite en ordre. Je rappellerai AECO pour une intégration vent arrière et complète sur la 08. Gauche. Ampère 50, 75 tours, 2000, je vais faire 100 tours, c'est bon. De l'abri, on roule vers le point d'attente 08. Je vais faire 100 tours, c'est bon. Merci Pasteco, 1200 pieds, bon. On rejoint le début de vent arrière 08, main gauche pour un complet. 600, stable, pas de détonation, régime d'attente 1200. Température et pression dans le vert, là il y a encore deux petites minutes, Vincent dans le vert, ça c'est dans le vert, c'est dans le vert, et ça c'est dans le vert. Je vais avancer un peu. Là, c'est le Victor, on s'aligne en 08 dur. Allez. Donc il y en a un qui est en traversier, un décollage.
En initial. Avant décollage, serrage de frein de parc maintenu, contact magnéto sur bof, batterie sur on, alternateur sur on, chargeur batterie. On décolle en 08 chargeur batterie dans le verre, réchauffe carbu poussé et verrouillé. Mélange plein riche, sélecteur essence ouvert, transfert carburant poussé, autonomie, 4 heures d'autonomie et cohérent. Altimètre 360 et 2 hectopascal de différence. Commande, attention les genoux, je vais pousser à gauche, ça monte, ça descend, ça monte. J'ai reçu que vous étiez derrière, correct? Affirme, mais c'est juste pour un effet radio parce qu'on avait l'impression que vous ne l'aviez pas entendu. Je vous ai reçu, Fox Cherchier, donc nous on est en début d'antérieure 08 main gauche, 08 Dion. Commande libre. Écoutez, nous on sera en 08 main gauche pour la gazonner pour un toucher. Reçu. Le nez, symétrique, derrière, verrouillé, éjecteur en place à gauche, éjecteur en place à droite, pression d'huile et température dans le verre, pression d'essence dans le verre, c'est bon pour moi. Donc j'ai ça, je vais mettre ça dans les phares. Bientôt info du choc Victor novembre, on passe les hautes tensions. Bonne journée à vous, direction Coulée. Donc je vais m'aligner à 08, je lirai 420, rotation 60, 54 nœuds, balai initiale. Combien t'as dit? Seuil de la piste gazonnée, je prendrai route 120. Aligné, je lirai 82. Rotation 54 nœuds, montée initiale 70, montée normale 80. Je prendrai route 104 en cas de panneau alarme avant 54 de jeudi, je freine en cas de panne mineure après rotation, je prie le circuit adapté et je reviens sur la piste 08. En cas de panne moteur après décollage, je pousse sur la manche pour garder une finesse max qui est 75 nœuds. 78 celle-là. 78. Bon, ok, c'est bon, il est où le. Il est quelqu'un en finale? Ouais, il est en base là. Il passe en base là. On va pouvoir attendre un petit peu le temps qu'il termine. Donc on a un travers, quasi plein travers de 10 nœuds. J'ai regardé sur le précédent, j'ai pas eu l'impression que ça avait je pas avant lui, non du Fox, Golf, il veut décoller tout de suite, ouais. Bonjour. Fox Eco-Québec, APA 28, personne à bord au parking Guillaumet. Et Baguette. Je roule pour le point d'arrêt 08, je m'appellerai prêt, Fox Eco-Québec. J'ai pas entendu s'il a annoncé. Point de base 08 dur incomplet. En dur, en raccord. Novembre Lima, point d'attente 08 dur, j'attends l'atterrissage. Il n'y avait pas eu le message du sol, on avait l'occasion de partir, d'annoncer le départ et de partir. Le info du fonctionnement en début de vent arrière, 08 à gauche pour un complet sur la 08 gazonnée. Donc, il y a le monsieur qui est sur la... Auto-info de Fox, Delta Fox. Bonjour. Allô. Delta Fox au parking, Sally Lecointe, on procède au roulage pour aller à ravitaillement via Tango. Donc lui, c'est lui qui est de la dure. Hein. Il y a une dame derrière qui sera... Là, il est sur la gazonnée, ouais. Donc on pourra s'aligner, attendre qu'il atterrisse. Les fesses seront touchées, je pense. Marc, c'est bien, on va voir ce que ça donne au niveau des courants d'air. Là, on dirait qu'il y a un petit peu quand même. Novembre Lima, je pénètre sur la 08 2 et j'attends. Elle est où la dame qui est sur la gazonnée? En ligne, en courte. Finale, en finale. 08 gazonnée pour un toucher. Novembre Lima, aligné 08 et j'attends la terre couchée de sur la gazonnée. J'ai la pompe, j'ai les... On est en courte finale Oscar Sierra sur la gazonnée. On cherche à dégager la piste 08 dure, on roule jusqu'au parking. 5 km en début de base, point complet sur la 08 gazonnée. Parce que là c'est un touché, on va le laisser redécoller. Ouais.
il est reparti. Montée initiale. On est un peu plus rapide que lui donc. Ouais. Non, il y a un peu devant, on dirait quand même. Novembre Lima, je décolle 08 2. Ok, et 17 18. Donc, matin actif. Everjet 2300 tours. Novembre, final, point complet sur la 08 Gazonnet. Fox Delta Novembre, on est au point d'attente 08, prêt. On attend l'avion qui est actuellement au décollage sur la 08. Recherche 70. Sandy Fox 32, hôtel Charlie Novembre 2 fois, bonjour, 72 parking de Fly. Ok, le Charlie. Deux informations, pardon, on va. Deux personnes d'abord, on va rouler pour les pompes à essence. On prend en route à 150. Et Sandy Fox Delta Novembre, on s'aligne à piste 08 dur. Bonne information du Fox Charlie, montée initiale 08, gazonné. Je rentre les volets, pompe off et je charge 80 avec les entrées de collage. Je voulais rentrer pompe off, réchauffe off, la riche, les instruments sont dans le vert. Je recherche 81 et je continue monter à 1500. Je prépare la fréquence d'après 121 unités. Et là, du Fox Delta Novembre, aligné 08, on décolle. Dégagé par la route 0, je rappelle le vent de novembre. La déformation du Fox Oscar Serra en début de vent arrière 08 gazonné. Bon, c'était tip top au niveau des échanges, hein. Ouais. Les gens restent. Et là, du Fox Delta Novembre, montée initiale 08 dur. On a pris un 420, on va prendre la direction de Melun. Sol du Fox 39 de fond et au pompe essence, Fox Delta. Novembre à Lima, 1500 pieds à 3 minutes de novembre et on quitte la fréquence, bon vol. Je corrige l'altitude, pardon, je redescends. Donc on donne un départ à 10h. L'agneau du Fox Eco-Québec, point d'arrêt 08 dur, je m'aligne et j'attends, j'appellerai pour le décollage. On va avoir un petit travers, ouais, tu vois, de 12 nœuds. Et là, du Fox Delta Novembre, on quitte le circuit en direction de. Voilà, bon, voilà. Je bascule sur le train. Ouais. Voilà. Melun. Melun de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, bonjour. Tiens, regarde la voie de Paris, Jean-Luc. Melun de Fox Golf Novembre, Novembre Lima, EDR 403, 3 personnes à bord en provenance de Lône à destination de Montluçon. On est à 2 minutes de 3 novembre pour un transit Novembre Bravo à 1500 pieds. Je vous rappelle, vertical Novembre 1500 pieds, Novembre Lima dans 2 minutes. Voilà information Victor Papa, on arrive travers nord Blandy-les-Tours. On est à 1600 pieds, on va se reporter travers nord Volvicomte pour des évolutions. Oh, alors, on va vérifier que tout fonctionne bien. Vas-y, Yohan, dis quelque chose. Parfait. Ok, bon, pour moi ça va aussi. Peut-être une légère, non même pas ça. Et on a bien le voyant rouge.
Donc on voit que j'ai mis un peu de chamois pour faire des amortisseurs de... Quand c'est le triangle TGV. Ah, je suis encore... Bon, il a pas mal de bords de travers, hein. Je l'ai bien senti au début tu vas le sentir et puis après on va l'avoir dans l'eau. Donc, Non mais je dis au relâche pour la décollage sur la piste, Tu l'as senti, ouais. Oh, oui, ouais, tu devais pas mal corriger. Ouais. Melun de novembre Lima, vertical novembre 1500 pieds, on transite par Bravo dans le CTR à 1500 pieds, novembre Lima. Et 23. Melun de Fox Québec Alpha, Cessna 182, point Whisky, on s'aligne sur la 10, point départ via point Bravo en direction d'ouest. Donc t'as vu ce que je t'ai marqué sur le groupe là? Quelque part ici maintenant il y a un truc là, qui est susceptible de faire du dégazage. Jusqu'à une hauteur de 400 mètres. Ah. Bon donc il est sur notre gauche, on a de la marche, c'est juste pour le repérer. Melun du Fox, Delta Novembre, bonjour. Ah tiens, voilà, c'est le truc qui est là, regarde là. Delta Novembre, c'est ça, 172.3.4 à la bord, on prend le relais. T'as le CIO, juste à gauche, il y a tout un tas de bâtiments et tout ça. On va transiter votre secteur pour un petit passage vers le château de Volvicon. Juste là. Actuellement, à 1300 pieds. Victor Papa, travers nord Volvicon, 1600 pieds, et on entame un tour main gauche du château à même altitude. C'est bien aussi pour l'information, Delta Novembre. Et Novembre Lima, 1500 pieds nord de terrain, on continue le transit à 1500 pieds vers, par Bravo. Fox Québec Alpha, alignation la 10, départ imminent en direction du point Bravo, 1500 pieds. Ça doit être ça. Oui, mais il devrait être derrière nous le temps qu'il décolle. Ouais, là il est en bout de piste là. Donc on passe par où? Ben Bravo, c'est toujours compliqué sur les avant industrielles. Ouais. Et ton circuit à toi? Donc moi j'aime bien aller à droite là. À droite, à droite là. Je tourne à droite. Ah c'est comme tu veux. Alors d'accord, bon. Donc c'est toi là ici, et ensuite tu pars à gauche en visant le centre commercial qui est là-bas. Ok. Et Melun du Fox Delta Novembre, on passe Novembre à 1500 pieds, donc en direction du château d'Audricon. Donc on a une vue sur Paris qui est phénoménale là. Ouais. Allez, j'ai essayé de faire un petit balayage avant de tourner. Le mot important était essayer. La fréquence d'après, tu confirmes 134 décimal 3. Ouais. On va passer à proximité de la Ferté, mais on fera 2-3 nautiques à l'ouest, donc à l'est, pardon. On part Bravo, quand on sort, on est limité toujours à 1500. Ouais. Donc là, tu vois, quand tu as passé cette zone-là, hop, vire à gauche, et tu vises le centre commercial qui est là-bas. Avant la ville? Après là, juste, ouais c'est ça, entre les deux en fait. Ouais, tu vises ces gros bâtiments là. 30 degrés à gauche en tension. Voilà. Non, il y en a éolienne ici. Ah bah tiens, on voit la prison là-bas. Ça va être la première fois que je la vois aussi bien. Elle, ça passe voilà. Sinon. Et au-dessus, hop, tu reprends Bravo. C'est un centre commercial. Donc il est dynamique, Novembre Lima. Ouais, j'aime bien, bah, c'est le préféré. Et on peut pas louper Bravo qui est juste en face de nous. Non, normalement le 10 et 11 septembre, octobre, septembre, pardon, 10 et 11 septembre, je le prends, je vais à Biscarrosse deux jours. Ouais. Sortie club Biscarrosse. Et
on va faire initiation de vol hydravion sur place. Ah d'accord. C'est bon ça. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent pas Bravo, ce sont les toits rouges droit devant. Donc on peut pas les louper. Voilà, Victor Papa, pendulaire, 1500 pieds, travers sud, Volvicomte. Je m'éloigne par l'est gentiment. Et voilà, du Delta Novembre, on arrive vers le château de Volvicomte, du coup, par l'est, tout suivi à 1500 pieds QLH. Ouais, Victor Papa, j'ai pas de visuel, hein. Je suis lent, hein. Je suis en pendulaire et je suis entre l'autoroute et le château. C'est bien pris, je vais prendre 2000 pieds pour vraiment être sûr. Ok, c'est bien reçu, merci. Donc je corrige 1500 pieds pour qu'on ne soit pas engueulé par un rideau à la sortie. Voilà, route suivante, 195. Et il est 28. 29. Melun de Novembre, Lima, 1500 pieds vertical, bois Bravo. Et on continue vers le sud et on quitte votre zone, je quitte la fréquence. Bonne journée et bon vol à tous, au revoir. Merci monsieur, bon vol à vous, Victor Papa. Paramètres météorologiques de Melun Villaroche. Ah, ok. Vent 3. 195. 195. Donc là, mets-toi carrément à... Ouais, ouais, juste là, tiens là, très bien. Est-ce qu'on peut capter pareil info ici, je pense? C'est à trop tôt. On est trop tôt, dans 3 minutes ça sera bon je pense. Ah, c'est une info, je vais les dire. Donc ça c'est le centre de télécommunication du SIA, juste à gauche là. Un centre de télécommunication du SIA. Ballancourt est à droite. Ballancourt est là, le terrain est là-bas. Donc là c'est bon, tu peux te positionner sur le trait là. Donc ici, il y a quelque chose de notable, un ancien télégraphe. C'est pas fort hein, aussi, ça faisait, je crois, une époque. Dans la forêt, c'est pas facile à voir. Un petit village au nom de Bondeville. Ville. Dans l'axe, hop là. À faire t'aller. La piste a changé au niveau de la Ferté Allée. Ah non, j'ai pas. C'est plus de 10-28. Ah ouais. 10 degrés sur la gauche. D'accord. Ils ont une activité voltige maintenant aussi. Enfin, il y a un autre. Plus pas IP sur leur activité. Alors, c'était prévu donc à 21h29, ça fait 30.
Ça fait 1h50. Hein. Tu peux me passer la carte, Jean-Luc, s'il te plaît? Ouais. La tête, elle fonctionne toujours, la GoPro tête? Ouais. Et ouais. Merci. Alors... on oriente la carte, hein, voilà. Melun, Bravo est ici. On vient de passer la Ferté, allez, on est là. Donc quelque part à gauche, là, dans pas longtemps, tu vas avoir Bino Bonnevaux. J'ai 128 nœuds en vitesse sol. Ouais, ah ben oui, on a... On a 9 nœuds derrière. On va essayer de contacter Seninfo. Seninfo de Fox Golf, novembre, novembre, Lima, bonjour. Donc on a passé Ferté, donc on est 2005 là maintenant. C'est une info de Fox Golf, novembre, novembre, Lima, bonjour. On se prend cette semaine encore notre shoot ouais. À gaz. Ça sent de... Ça sent toujours en montée, toujours ça sent un peu l'essence, c'est normal. Ouais, ben oui. Ah, Bruno Bonnevaux à gauche, regarde Jean-Luc. Quoi? Soulet l'avant gauche là. Bon bah elle passe devant Soulet. Je rappelle qu'on avait fait une rando à Bruno au départ. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais le... Ah oui, le... c'était le vol à voile là. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, je le vois là. C'est une info de Fox Golf, novembre, novembre, Lima, bonjour. Bon, j'ai personne, rien. Je vais essayer par info. On était sur, sur la petite route entre les deux massifs. Voilà, ouais. Dans l'axe de piste. Paris Info de Fox Golf, novembre, novembre, Lima, bonjour. Je vous rappelle, novembre, Lima. Bon, c'est un peu loin maintenant. Oh, je suis content, je l'ai trouvé. Alors... Donc, si on a passé Bruno... Paris, Alex Oxy Golf, Sierra, Alpha, Papa, Alpha. Non. Ah ben la vie, c'est Malzerbe là. Novembre Lima, plan bonjour. Bonjour, le Fox Golf novembre, novembre, Lima, c'est un DR400, 3 personnes à bord en provenance de Logne, à destination de Montluçon, c'est Baba, Bravo Kilo. Pour information de vol, là, s'il vous plaît. Novembre Lima, 70-11, unité 2 fois transpondeur. 70-11 sur le transpondeur et le KNH dans la région, s'il vous plaît. Je vous rappelle. Golf Sierra Alpha, Papa Alpha, bonjour. Go ahead.
Yes, hi, we're an R66 helicopter. We're out of a private site near Lima Fox Echo Mike, bound for Le Touquet. And we are going to route Valpo, Victor Alpha Lima Papa Oscar, and then Compiègne. It'll take us through your restricted area 324. Papa Alpha, no problem for remote 324. Maintain more frequency on the squawk 7010, please. 7010, go Papa Alpha, okay. Quand tu te rappelles, quand on sera vertical du vent, 180. Novembre Lima. J'écoute, Novembre Lima. Donc le clonage sur Melun à 8.30, c'était 1024, unité 024. Unité 024, merci madame. Et pour info, vous n'êtes pas dans mes zones, monsieur. Donc vous affichez 7000 et contactez SEN, information sur 134 décimal 3, transpondeur 7000. 7000, merci madame, au revoir. Au revoir. Elle m'a viré. Bonjour du... Mais elle ne répond pas, elle a dit autant info ici hein. Ouais. Vas-y, réessaye. SEN info de Fox Golf, novembre, novembre, Lima, bonjour. SEN info de Fox Golf, novembre, novembre, Lima, Robin DR400 en provenance de Lonne à destination de Bonfeu, Bonleçon, 2500 pieds actuellement, légèrement dans le nord de voire de Pithiviers. Bon ben ça va être très calme hein. Ça, la fréquence d'après ça sera quoi alors? Alors la fréquence d'après bah c'est bon parce qu'on va peut-être passer avec alors attends voir Poitiers ça sera 124.00. Waouh. Jusqu'à Poitiers on va rester sans fréquence. Ouais. Après ce qu'on pourra faire, ça se mettre sur 122.4 pour écouter oui. Orléans. Ouais. Donc ouais, on a Pithiviers sur le côté là. Ouais, alors je voulais faire un petit balayage. Oups, à droite on a une belle visite. On a une belle visite. Voilà, on va passer par le vertical de leur terrain. Vertical, non, du bord. Vertical du bord de LFEZ. Ouais. Et quand tu as vertical du bord, tu passes sur 180 degrés. Bonne route. Bon ben les champs quoi. Ah, c'est la ville de Pithiviers. Pithiviers ouais. Et les vœux, le vent, le vent, c'est là. Ah, effectivement, il est juste là, ouais. Voilà, donc là tu peux prendre un 180. Alors d'ici, 180 touche pour main gauche. Donc on a le terrain quelque part, il me semble l'avoir aperçu tout à l'heure. Il doit être sous l'aile à droite maintenant. C'est 5 degrés comme ça là pour voir à gauche. Juste comme ça, ouais. Est-ce que tu cherches le terrain? Hop, tu peux te remettre. Hein. C'est pas vu. Il non. Est... Je vois bien le vore, mais je vois pas de terrain. De toute façon, c'est un terrain herbe, hein, donc... pas gagné d'avance. Et on a une visite qui est optimale, là, et on le voit même pas, c'est terrible, ça. Ah, il est loin quand même. Hein. Loire, c'est-à-dire? Et avant la route, non? Il est après la route. Ah, oui, effectivement, d'accord. Donc là, je risquais pas de le trouver. Non, 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 il est loin, ouais. Ah, oui, effectivement, ouais, ouais. D'accord, il est... Ah, y a, tu vois l'espèce d'étang que ça fait, là? Il est dans le secteur de l'étang. Ouais, je te crois sur parole.
Ok. Bon, ça me rassure quand même. Donc on a mis 122.4, ouais. Alors... Info de Fox Bravo X-ray, on prend le roulage depuis Bravo Unité jusqu'à Whisky Zermatt. Donc là on a beaucoup de forêt. Saint-Denis et Marguerite 3, roule du hangar 2 en Bravo avec X-ray. Correction Charlie. Donc le but de la manœuvre, ça va être de détecter la ville de Châteauneuf. La Châteauneuf qui est juste au sud-est de Orléans. Donc là, pour un atterrissage d'urgence, c'est la merde. Ouais, là, c'est touffu, hein. Ah tiens, il y a ça... Il est passé depuis... On est passé au-dessus d'une route, là, on peut monter à 3000 ici. 3000 ? On peut monter à 3000. Ah oui, tu peux largement, oui. On a plus de limite au-dessus de notre tête, là. Info de Lima Delta, bonjour. Donc on a Orléans à droite là-bas. Je pense avoir la ville qu'on cherche devant nous là-bas. Ça doit être celle qui est là-bas. Donc tu restes ouais, bien à gauche de la ville. Ça permettra de descendre et d'ajuster la trajectoire. Non, reste... Pardon. 180, c'est bien. C'est concentré. Ah non, si tu filtres, on est mort. Enfin, c'est pas ce qu'on veut voir. Qu'est-ce que tu veux voir, toi? La ville de Châteauneuf. D'accord. Je pense savoir à peu près où est le terrain d'Orléans. Donc on a une CTR, mais elle est à bonne distance, donc on est tranquille. Ah ouais, c'est un peu mieux, là, comme hauteur. Avoir un visuel sur le terrain d'Orléans qui est là. Toute une série de bâtiments comme ça qu'on voit. En fait, t'as la forêt, derrière t'as une zone qui est bien dégagée, avec une ville en arrière à droite. Et dans cette zone dégagée, qui est relativement verte, t'as des bâtiments comme ça. A priori, c'est Orléans. Donc on est tranquille. Alors, avec ce truc, c'est tout sauf évident à voir ce que tu vis. Alors en principe, Orléans, c'est ça, il est faux Z. Ok, confirmé. C'est pas Orléans? Donc Orléans est juste là. C'est la ville, hein. Alors ah, le terrain, c'est aussi, le terrain hein. Ici, la ville, elle est loin à droite derrière, là-bas. Okay. Donc en fait, ce que tu vas faire, tu vas aller 5 degrés à gauche, tu vois le bras de la Loire qui est là, tu vas aller légèrement sur sa gauche, même 10 degrés à gauche, et ensuite tu vas revenir dessus et on va passer au-dessus, à côté de la ville qui est là. Donc tu ouvres 10 degrés à gauche là. Là, ouais, ça me paraît bien. On arrive sur le travers de LFOZ. À 47. Où elle est frozen. Ah. Tu t'y es posé souvent, Johan, à Orléans? Bah oui, ouais. J'ai fait un solo, après j'ai fait la main triangulaire. Ouais. Après je suis venu deux fois au moins.
au sol et avant avec mon instructeur une ou deux fois. Ouais, moi juste au niveau de la formation depuis, je suis pas retourné. Et effectivement, c'était la première branche de la grande nave. Ouais. D'abord, on a les grandeurs. Voilà. Donc la cible, elle est ici. Enfin, ce que je voulais voir, c'était ça. Après la ville, on tourne. Donc tu vas déborder sur la Loire, okay. Et après à droite, et on suit la Loire jusqu'à la ville qui est là-bas, la petite ville là. Bon, voilà, je voulais voir à quoi ça ressemble. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'eau sur, dans la Loire ici. On se donne rendez-vous après tout à l'heure. On va la remonter aussi encore, mais plus bas. On va la descendre. Jean-Luc, c'est pas mal là. Ouais, c'est magnifique, moi j'aime bien. On a le temps encore. Je vois la ville, elle est jolie. Donc j'ai dit 47 pour le pour la pointe neuve. Alors un truc qui s'appelle Châteauneuf, mais est-ce qu'il y a un château? Non. Hein. Un château d'eau. Ouais. Beaucoup moins original. Alors on en profite pour regarder un peu la Loire. Donc on a vu qu'il y avait la centrale là-bas. Bon, dans le soleil c'est pas top, donc on passe vite. Ouais, tu peux virer maintenant. Oh, je tourne à droite. Personne. Voilà, on a une belle vue en plus, regarde-moi ça là. C'est parfait. 30 degrés à droite, pas encore un peu, voilà. On est à 30 degrés. Donc maintenant tu vises à gauche derrière là-bas. Là, à gauche, pour les termes. Joli. Il y a de l'eau, mais ça n'a pas l'air très profond quand même. Hein. Pas tant que ça. Hein. Ah, il n'y a pas beaucoup d'eau en fait. Ouais, ouais, ouais. Tu vois Yoann? Ouais. Ouais, c'est bizarre, ouais. C'est bizarre. On voit bien le. Ouais, on voit bien le fond quand même. Par contre, pour déterminer la hauteur, ouais, il y a que les lagunes, enfin les lagunes. Ah mais t'as des endroits, c'est vraiment pas large, hein, regarde là. Ouais. Quasiment à sec. Hein. Impressionnant. Là, tu vas aller voir là Yoann, juste sur ici là. Alors LFOZ est là-bas. Je vais m'éloigner encore un peu parce que j'arrive pas à voir. Ouais. Je crois que c'est la première fois que je la vois au Ah oui. Sec. Ah oui. Donc hier soir au JT, je voyais des images, alors je sais pas où elles étaient exactement, mais c'était largement pire que ça. Donc sur l'aile, FOZ. Ok, donc là tu peux reprendre le trait quand tu veux. Orléans, on a la centrale qu'on connaît là-bas aussi. Alors, il était 47, 51 par rapport à un point de nav, je vais prendre 49 comme point de départ. Et en fait, c'est le fameux Saint-Denis l'hôtel, le terrain. C'est la première fois quand je suis venu, quand j'ai fait un message radio, j'ai appelé l'hôtel de Saint-Denis. Ah oui. Il y a beaucoup de Fox Bravo, très on peut les retenir de reprise. Donc Romorantin 11h09, on est sur du 208 maintenant. On sera sur du 208. L'avantage d'aller au sud par rapport à deux semaines, Yoann, ouais. C'est qu'on a le travers, le soleil sur le travers gauche. Ouais. Donc tu vois, on peut regarder et admirer ce qu'il y a à droite. De l'autre fois, à l'aller, on avait le soleil de face. Et retour, peu près aussi. Annoncé, tout pas. Ouais.
tourne à gauche. Là où on voit que le... C'est une info de Fox Bravo X-ray, ligne des frères d'école. Le Garmin. C'est là aussi, donc là je sais que je suis prêt. Donc en fait on voit qu'on a un léger décalage par rapport à ce qui est prévu. 22 de 22 arrière. On va aller vite. Hein. On est 3300 pieds. Alors si on a du 22, ça fait du 135. Hein. C'était prévu pour 40 nautiques. Donc ça fera moins de 20 minutes. Et on va dire dans les 18. Donc on va passer au-dessus de toute une série d'étangs. Tu te rappelles les temps quand on avait été à Aubigny? Bon ben voilà, on est dans le même secteur. Sauf que là on est un peu plus dans la partie est. Aubigny étant par là-bas. Ouais. Ah tiens, on a une grosse... Est pile sur la pliure. En tout cas, elle a trouvé de la de tension, elle se voit, mais alors, comme le dit au milieu de la figure. Donc, l'Aubigny et le radiotélescope de Nancy, c'est de par là-bas. Scanner de novembre 4-4 animateur de bonjour. Alors la prochaine à monitorer, ça sera de... comment ça s'appelle, de Romorantin. 119-075. Scanner de novembre 4-4 animateur de bonjour. Bonjour, ici Novembre Lima sur la fréquence. Cette info est en auto-information actuellement. On est à 3300 pieds au sud de Orléans. Merci à vous, donc Novembre 4-4 Lima on est à 310 FL65 en provenance de Tessier en direction de Montpellier et on est travers Orléans-Brissy. Ok, reçu, merci. Novembre Lima. Personne ne bosse aujourd'hui ou quoi? Ah oui, c'est les vacances d'été hein. Ouais, voyons, impressionnant. Ok, donc on a la meute Beuvron à gauche, on passe au-dessus de la ligne de chemin de fer. Derrière on a l'autoroute, à 20. On a un ami pilote de Sadi qui a fait la formation contrôleur. Ouais. Voilà, il a terminé cette année et le mois prochain il sera affecté à un endroit. Il a mis dans ses choix, premier choix à Logne. Ouais. Peut-être il sera contrôleur à Logne, s'il n'y a pas place, ça peut être ailleurs, il sera dans un mois. D'accord. Donc l'autoroute, la meute Beuvron. On a failli aller faire un petit tour dans le Limousin aujourd'hui. Et après je me suis dit que ça faisait un... comment dire...
un décalage un peu trop important. Et en fin de compte, l'année prochaine, on ira peut-être dans le Limousin, mais non, on ira à Limoges, tu vois. Enfin, on ira explorer spécifiquement le Limousin, du coup. Prendre une option sur le vol aller. Jean-Luc, t'as pris tes congés cette année ou pas encore? Ah, j'y suis là. Ah, t'étais en congé. J'ai ma première semaine là, je viens de terminer. Donc on a un joli petit village. Port. On a 50 minutes depuis le décollage. Ouais. Ok. On change de fond. On est à 3, ouais. Voilà. Hop. Merci Jean-Luc. Merci. 50 minutes de vol déjà? Ah oui. Moi j'aurais... En ce moment on est à 40 minutes, hein. 42 minutes. Ah mais j'ai peut-être mis démarrage moteur. Ah oui d'accord. Bon tu peux le remettre alors. Et ouais, comment? On est un peu tôt là. Après oui, même si il est plein avant que ça change rien. C'est ça l'avantage que j'aime ici que X-Ray Oscar, ouais. Que tu dois vérifier vraiment. Et, Bon ben voilà, donc on a plein de petits étangs là. Là on est en Sologne. Oui. Alors l'activité de filmer c'est incompatible avec le fait d'avoir la carte ici, parce que ça fait des reflets là. Ton genou à l'air, ça fait des reflets dans le machin. Faudrait une verrière anti-reflet, vraiment. Ça va, Jean-Luc, tu vois, là? Ouais, ouais, c'est bon. Tourne la... tourne la verrière et tourne la caméra à l'extérieur. Ouais, d'accord. Bon, attends, vas-y, ouvre. Non, tant que tu mets pas la caméra vraiment en latéral, c'est bon, je vois. D'accord. De toute façon, sinon, je te mets des tapes dans la tête. Hein. Ben, vas-y, n'hésite pas, hein. Une pichenette. J'appelle une pichenette pédagogique. Bonjour, j'ai atterri après 1h15 de vol avec vision sur la caméra. Ça va, tu vas regarder après tout sur la vidéo, c'est bon. Ouais, c'est ça, ouais. Comme je suis dans l'axe de la caméra, si tu veux. Regarde devant nous, Johan, on a un visuel sur Romorantin. La ville qui est en face, là. Et le terrain, c'est... Donc le terrain, il est derrière à droite. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est quand on sera bien au nord, hop, on part à gauche et on le contournera par l'est. Donc on a le temps. C'est un Yankee Romeo comme moi. Ouais. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'ambiguïté, on n'a pas de point de repère particulier sur la ville. En gros, tu vois, quand on arrive, tu vois la zone vert clair qui est juste avant la ville là, ouais. À la forêt. Bon, mais quand tu arrives à la jonction forêt, zone vert clair, tu pars à gauche, tu pars bien au sud. En faisant gaffe, il y a peut-être des extensions de la ville, donc on ne sera pas trop loin. On a 15 nœuds d'arrière, 16 nœuds, comme prévu. Ah, tiens, du coup. Jolis étangs aussi. Je pensais que c'était la Brenne ici à un moment donné. En fait c'est pas là. La Brenne c'est beaucoup plus bas. En dessous de Châteauroux. Donc on passe par la... Je laisse la ville à gauche. C'est ça, ouais. Tu laisses la ville à droite. À droite. Ouais voilà, tranquillement.
Comme ça, on aura au moins la ville à voir. Le terrain est quelque part en dessous là-bas. Tiens, c'est peut-être bien la grande zone en herbe qu'on a là. Alors attends, c'est sur du 198 hein. Ah, peut-être même pas. C'est l'info de Fox Golf Sierra Bravo, très bonjour. Romorantin, s'appelle comment la ville? Romorantin. Je ne vois pas ce terrain. On est 180 degrés, d'accord, donc on fait ça. En fait, on va passer au-dessus d'une route. Quand on sera bien au-dessus de la route, tu pourras aller plein ouest et on sera quasiment dans l'axe du terrain. Donc on verra où il est là. Ouais, ça doit être la trouée là-bas, là, qui est sur la droite. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Je vois pas d'autre chose de toute façon. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Ouais, visuel. Donc ouais, c'est nickel, là, tu changes pas d'iota. On passe bien à côté des villes. Évitez de me prendre une tarte. Eh non, je suis pas comme ça. C'est bizarre ce terrain, on voit même pas les marquages. On voit un axe. Oh, on est un peu loin quand même. Ah non, je sais pas, il y a... C'est là. C'est ça, ouais, voilà, c'est celui-là. On va aller le voir de plus près là, une fois qu'on dépasse la ville. Cela étant dit, il y a des bâtiments. Et on voit rien d'autre qui peut faire office de terrain, donc... Alors, pour l'histoire, Romorantin aurait pu devenir la nouvelle capitale française. Nouvelle capitale? Louis XIV. Ah bon? Mais oui. Donc tu peux continuer tout droit parce qu'on est encore au-dessus. Tu avais envisagé de venir ici? Il voulait construire une ville complète. Ah bon? Ouais. Et il est mort avant. Et pourtant il est mort en plus hein. Donc voilà, quand tu verras l'échangeur autoroute en dessous de toi là, hein, tu pourras virer. En monitor ou pas là? Donc voilà un échangeur qu'on peut pas louper. Donc en gros, tu vois les lignes de tension qui sont là? Ouais. Bon ben quand tu prends les lignes de tension, tu vises derrière là-bas. Donc la route suivante pour Châteauroux, c'est 184. Tu vois, estimation réussie 0,7. Donc on a gagné 2 minutes en gros. Ah ben là on voit mieux le terrain quand même. On voit les chevrons. Ouais ouais c'est ça. Apparemment pas d'activité. Donc c'est un terrain rouge hein. Rouge. Il doit faire du planeur j'ai l'impression. Ouais. Bon bah c'est pas qu'une impression là. On a peut-être le système de câble là. Ouais, on regarde. Je t'allais dire, on a peut-être le système de câble, effectivement. Les planeurs, ils sont en décollage là. Ouais, je pense.
Par contre, le temps de voir ça, hop, t'as plus le temps de filmer. Donc t'as une grosse vide devant toi. Freud, de Charlie deux fois. Charlie deux fois, du Freud, j'écoute. Tu retourneras les deux câbles après. La caméra fonctionne, la tête aussi, tourne bien la tête. Ouais, les deux fonctionnent, pas de problème. Et... Donc on a une petite lumière là derrière, je sais pas ce que c'est. Le Freud, Charlie deux fois, tu peux prendre les câbles pour un S4S, deux personnes à bord s'il te plaît. C'est reçu pour un S4S, deux personnes à bord. La fréquence suivante, 12400. On va passer à côté de Châteauroux. C'est ça, vertical. C'est combien leur fréquence? 124. Ah pardon, Châteaudun. Châteaudun, 125, 875. Non, 75, voilà. Seine aussi. Comment? Tu as quitté Seine? Non, bon, il n'avait personne. D'accord. On arrive dans Poitiers dans 3-4 minutes, je pense. Ouais. Alors, je vais essayer de... Info, bonjour, Delta Echo Foxtrot Papa Papa, 3000.020 inbound, upstream. Delta Papa Papa, good day. Ah, il y a quelqu'un là. Delta Echo Foxtrot Papa Papa with flight plan to Lima Fox Bravo India and we request simulated VFR RMP 03 please. Papa Papa, QNH 1021 and Skook 7040. QNH 1021 and 7010 on the box. Delta Echo Foxtrot Papa Papa. 7040, and where do you come from? 7040, and we're coming from La Rochelle, Lima, Fox, Bravo, Ted. Roger, Papa, Papa, for RNP 03. C'est mieux que l'autre fois, Lucas. Can you say the next point? C'est mieux la visibilité que toi. Ouais, c'est mieux que l'autre fois, oui, c'est sûr. You will set course direct, Bravo, India, 03... 1. India 03 and maybe set course now? Yes, Bravo India 034 direct. Bravo India 034 direct, thank you, Delta Echo Fox, Papa Papa. Paquet information from Joseph Fox, Golf November, November Lima, good morning sir. Golf November, November Lima, Poitiers, good day. Fox Golf November, November Lima, Aerobound R400, 3 people on board from Logne, Papa Lima. Destination Mall for Bravo Kilo. Currently 3,300 feet, southbound for information, please. November Lima, Squawk 7040 on QNH 1021. Squawking 7040 QNH 1021 November Lima. Fox Golf Delta, vous arrivez en sortie, vous pouvez quitter la suite avec Limoges Info 124050. Fox Golf Delta Poitiers. Ah. Oui, Fox Golf Delta, je vous écoute. Vous arrivez en sortie, passez avec Limoges 124050. Alors Limoges 124.050, Fox Golf Delta, merci, au revoir. Au revoir. Yankee Alpha, pouvez quitter, passer avec le blanc pour la suite. Fox Yankee Alpha, on quitte pour le blanc, au revoir. Au revoir.
Alors ici, par contre, atterrissage d'urgence, il y a trop de choix. Combien 3005 hein. Ah ouais, c'est relatif quand même. Hein. On doit être à 2000 pieds sol là, je pense. Hein. 2000, même 3000. On est à combien là? Alors qu'est-ce que j'avais prévu moi sur la nav? 4 euros, 2500, pas moins. Banabana. Ah ouais, on est 3000 pieds sol. Hein. Delta Fox, papa, il faut full stop. Full stop, please. Yeah. On est 3000 pieds quasiment. Pendant. Hein? Je pensais que c'était pendant. D'abord, je regardais le plan de vol. Ah, bon. Bah, on est à Châteauroux là-bas, non? C'est pas ça là? Peut-être. Ça devrait être ça, mais. Ça me paraît à peu près, mais bon. Bon, mais moi, 6 minutes, toi. Ouais. Ah oui, là, on va. Là, maintenant, je tire. Bon. Voilà. Ok, donc, il y a 14. Qu'est-ce que j'allais dire? Châteauroux, de toute façon, ça, c'est pas compliqué. Il est à côté de l'autoroute A20. C'est sûr. Quand on va dans le Limousin, on le voit bien. Alors, enfin, je dis qu'on le voit bien, c'est qu'on l'aperçoit. On aurait l'autoroute qui est à gauche, là, ça ne m'étonnerait pas non plus. Sur FS Jean-Luc? Oh, ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas lancé le simu. Ah oui, d'accord. Ça te manque pas? Non, non, ça fait du bien de temps en temps de faire une coupure. Ouais. Bah, moi je l'ai lancé il y a deux semaines. En volée avec les copains. Ouais, bah ils volaient hier soir aussi, je crois. A priori, ouais, je voulais passer leur dire bonjour, puis après un truc qui s'est mal goupillé et finalement je l'ai pas fait. En tout cas, on n'est pas secoué. Non, c'est beaucoup plus calme que l'autre fois. Ouais. On sent que la température a baissé. On est à 17 degrés dehors. 7. D'accord, effectivement, c'est pas... Ok, très bien. Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Donc tu peux ouvrir 15 degrés à gauche. Bonjour. Et Poitiers Info du Fox, bravo papa, Echo X-Ray, c'est 550 décollé de Niort en destination de Châteauroux. Actuellement passant 1500 pieds vers 2005 QNH 1021. Le QNH unité 02 unité et transpondé 7043. 7043 et unité 0, est-ce que vous pourriez répéter le QNH s'il vous plaît? Celui que vous aviez, 1021 unité 02 unité. Et 1021 Fox Echo X-Ray et 7040. Donc même encore bien encore à gauche là. 7043. 43. Comme ça on va bien avoir un bon visuel là. Tu la vois la tour qui est là? Juste là, ouais. Tu la vois Jean-Luc? Kilo Juliette en sortie avec Limoges en 24050 pour la suite. Et 24050, merci, bonne journée. On descend encore un petit peu s'il te plaît, genre entre ici et là. Donc on est bien au-dessus de la CTR. J'en ai fait en combien? 2008. 2007-2008. Ok, là nickel. Là t'as vu, t'es sur le seuil de piste, là c'est parfait. On va bien voir ce qu'on a sur le terrain. Donc Juliette Charlie, vous arrivez en sortie, vous pouvez quitter et avec Limoges Info si vous le désirez, 124-050. Et 124-050, Juliette Charlie, au revoir et bon courage. Au revoir.
Ah, il y a un château à voir, c'est ça? Un château? Pourquoi on descend de 1800? Ah non, c'est juste pour se rapprocher un peu du terrain, pour mieux voir les choses. Ouais. Et après, de toute façon, il va falloir refaire un palier pour redescendre. Donc, on aura, au lieu de faire deux paliers, on n'en aura qu'un. Voilà. Là. Le seuil. Alors, il y a quelques avions au sol. Tu vois Jean-Luc? Ouais, là je le vois bien, ouais. November Lima descending 2800 feet for better visibility on aircraft on ground. Roger, November Lima. Voilà, donc je peux commencer à venir légèrement comme ça. Ah si, il y a des appareils au sol, hein. Ah, ouais, t'as une belle piste là, hein. Ouais, je me suis posé une fois ici, hein. Un petit aérodrome régional, ça? Alors ça, c'est l'aéroport. Ouais. L'aérodrome, il est quelque part là-bas à droite. D'accord. Ouais, nickel. Oh, s'il y a du matériel au sol, hein. Ah ouais, je te pose. Il y a un marchelard qui fait des signes pour se garer. Pour de gare à côté d'un Airbus. Ah oui. C'est spécial, mais c'est bien. Donc là, t'as intérêt à réviser un peu les signaux, quoi. Ouais. Ah ouais, t'as du liner là, t'en as plusieurs. Ah ben hein. Là, oui, c'est un aéroport. Hein. Voilà, tu peux aller à 20 degrés à droite. Hein. Ah, ils ont du stockage d'appareils aussi. Oui, ouais. Justement, c'est ce qu'on voit bien depuis l'autoroute là, qui est à droite là. Tu vois les liners qui sont stockés. Le circuit de piste, il y a combien ici? Quoi? Le circuit de piste, c'est à combien? La hauteur? Oui, altitude de vent intérieur. Hein. Je sais plus, je m'en rappelle plus. Mais là on est largement au-dessus. Hein. Ouais, 2008 c'est tip top là. Bon ben voilà, la tour roue. Donc on a des appareils, qui... avec ça il y a même un avion tout noir, regarde là à gauche. C'est quoi cet engin là? Il va y avoir un centre incendie, je pense. Aussi. Ah, là, tout sur la gauche, c'est le centre de formation incendie, ça. D'accord. Tu vois bien, Johan? Ouais. Un 747 qu'ils doivent utiliser. Incline de 20 degrés, s'il te plaît. Voilà. On vise le sud-ouest de la ville, là-bas. Ouais, génial. C'est des gros aussi qu'il y a là. Ouais, c'est des 747 qui sont en stockage là en bas. Et là-bas, je sais pas ce que c'est. Il y en a qui sont en tête à tête là-bas. Ouais. Donc là maintenant tu vises à gauche, là-bas le penchant que ça fait. Donc on a notre petit terrain qui est là-bas, je sais pas où. Donc la ville de Châteauroux. Ouais, tous les moteurs sont protégés, c'est des avions en stockage. D'accord. Et des 747 qui doivent être en fin de course. Donc Châteauroux, grande ville quand même, hein. Ouais. On est au-dessus là, c'est bien. Fais gaffe, 14-2 devant de travers, on va se faire balayer sur la droite. Hein. Donc en gros, maintenant tu vises le sud de la forêt qui est derrière le petit village, enfin derrière la ville. Alors Châteauroux aime bien les toits bleus. C'est marrant ça. Ah oui, effectivement, c'est original. Ah ouais. Ah oui, il y en a plein. Ouais. Et la prison de Châteauroux en dessous. Ah ouais. Non, c'est pas ça là. Ah oui, là. Oh ben dis donc, effectivement, ouais. C'est tellement énorme que je l'avais pas vu.
Alors, je sais pas ce que c'est là-bas. En l'occurrence, c'est pas des toits bleus, c'est des bâches. Ah. Donc ils ont dû se prendre pas mal de dégâts, d'orage ou quelque chose comme ça. Ah, effectivement, ouais. Alors c'est pas cool là. Ah ouais, c'est impressionnant. Ok. Voilà. Bon, alors. Donc là, tu peux prendre un 220 maintenant. En gros, on vise les petits tacs qui sont là. On tourne à droite. Ouais, pas de visuel, rien. Novembre Lima, Poitiers. Papa, papa, approaching. Bravo, India, 034, Tritov. Papa, papa, clear RNP, runway 03. Next call, India, bravo, India, 03. RP 03, and I call you India Bravo 03, Delta Echo Fox, papa, papa, merci. Fox Novembre Lima, Poitiers. Encore Novembre Lima, go ahead. You have to avoid Argenton sur Creuse by the east, so heading south or 170 due to aerobatic activity. Receive information, so 170. Heading 170, on va oublier. On laisse passer un peu et on revient. Voilà, c'est où le château hein. Donc justement, maintenant tu peux commencer à descendre. Voilà. Et tu te mets carrément sur l'autre. Donc l'axe de piste c'était 139. Mais il a deux vols de voltige, il a dit. Hein. Ouais, mais Argenton-sur-Creuse c'est là-bas loin devant. Donc nous on va là-bas. Fox, Tampa, please confirm. Next waypoint, India, bravo, India, 03. Et tu veux ta latitude 139, 2200. Yes, straight ahead for few miles. It's a final waypoint. Thank you, we have it on the chart. Thank you. Just to be sure. On est en phase de sortie de la CTR normalement. Voilà. Donc Argenton sur Creuse, c'est loin devant là-bas. Donc c'est logique qu'ils nous le disent parce que pour lui on avait une route directe. Hein. Donc là tu peux te mettre sur 140 maintenant. Tato, il est. Donc on a un 13, donc tu peux te mettre sur 135 même. 135 ? Ouais. Et maintenant, parce qu'on va le déborder. Hein. 135 à go, en ça. November Lima, if you're heading 170, take 5 degrees left to avoid. Ok, heading 135 now, November Lima. Je veux pas qu'il passe, qu'on passe par la gauche. Hein. Ouais. Bah, tu peux y approcher. Papa, over to India, bravo, India, c'est le truc. Papa, we start off, I can see you, 1185, good day. 1185, thank you, bye-bye. Là, on va prendre les turbulences à cette altitude-là. Ouais, on l'a passé à 23. Donc 23 divisé par 2 ça fait 7, ça fait 30. On est à 3 minutes normalement du truc, à peu de choses près. Alors on a des petits lacs. Une bonne nouvelle parce qu'il y avait des lacs, c'est ce que j'avais vu. Des petites routes. Hein. Un candidat village intéressant là. Probabilité que ça soit juste à droite là, donc t'es nickel là. Tu maintiens cet axe là, c'est parfait. À quelle distance du train à peu près là? Ouais, 2 minutes de vol à 5 nautiques minutés quand même ça. Et le cercle fait 4 nautiques, ah oui, 4 nautiques. 4 nautiques? Alors on est trop loin.
On s'approche à gauche encore. Tiens, le château, je crois qu'il est là, regarde. Non, c'est bon, il est juste là. Voilà. Tu vois là, ça fait une... Non, je vois pas encore. Maintenant, prévenu quand je sors du virage. Ouais. Je pense que c'est ça, d'après ce que j'ai vu sur la carte. Ok, tu peux te remettre à plat. Ah oui, là-bas, d'accord. Okay. Juste à gauche en dessous, là. Voilà. Ah oui, je vois. Ouais. November Lima, you may take heading at your own convenience now. Just we are seeing Ish Castle here and just after we will take a southbound. And we will maintain 2,500 feet. Roger, you're now in Limoges area, you may contact them on frequency 124050. Frequency please, repeat the frequency please. Limoges 124050. 125040, thank you, I'm leaving your frequency, goodbye. Frequency is 124050. 124050. Ouais, c'est l'inverse, il faut que tu inverses le 5 et le 4. 124.050. Ok, sorry, 124.050. Thank you, goodbye. Ok, basculer. Alors là, tu fais 60 degrés. 60 degrés d'inclinaison. 60 degrés d'inclinaison, ouais. Ah, c'est un peu trop. Donc, c'est 5 kilos, l'image ? Ça fait le 5 kilos. Le l'autre, il est carrément bien. 70, 32 affiché. Ah, vas-y, 30 degrés. 70, 32 affiché. Reçu. Et vous êtes en sortie de zone, vous pouvez passer avec Aquitaine Info 120, décimal 5, 5, 5, 5, 5. Donc là, tu prenais 120, c'est quasiment sur le trait, c'est bien. Il y a eu 1 km à gauche du trait. Voilà, à peine. Limoges Information from Fox Golf, novembre, Lima, good morning, madame. Station pour l'image, j'ai quitté. Fox Golf, novembre, Lima, et Robin DR 400, 3 people on board from Lonia, destination Bongo-Lusso, Bravo Kilo. 2500 feet, squawking 7040 for traffic information, please. Juste là, tu vois, à droite, là. Oui. November Lima, we had identified squawk 7047. Québec, November Hotel, in Limoges is 1020, report mouvement Luçon, airfield inside. Stalking 7047, QNH 1020, we call back when we have the airfield inside November Lima, thank you madame. Juste en dessous à droite, pardon, maintenant je sais à quoi, dis-moi. Regarde, juste en dessous à droite, Yvonne. Oui. Ah, c'est ça le château que vous voulez voir? Ouais. Ok, bon, on a quelques remparts quand même. Hein. Ouais. Et on a quelques secousses aussi. Ouais, les... Johan, je t'ai connu mieux quand même, hein. Bon ben voilà. Bien, objectif. Je, hein. Je remonte 3000. Donc tu peux remonter 3000, 3005. Hein. Ouais, 3000 minimum. 3000. Novembre Lima... Novembre 443 Lima Tango, vous êtes en sortie. Vous pouvez contacter l'info de Clermont 120, décimal 575, au revoir. Contact Clermont sur 120, décimal 575, au revoir, et merci beaucoup. November Lima, climbing 3000 feet to avoid turbulence. November Lima, altitude at your convenience. Jean-Luc, c'est le moment de changer les cartes. Ouais, justement. Merci. Donc, t'as remarqué qu'on a des reliefs maintenant? Ouais. Ouais, un peu, ouais, effectivement. Loin, là. Donc, Delta Charlie, vous êtes en sortie. Vous pouvez contacter l'info de Poitiers 124-0, affiché 7000. Au revoir.
124-0 avec Poitiers, au revoir madame, merci. Par contre, là, on se retrouve avec le problème du soleil de face. Ouais. Tu peux demander au soleil de bouger, s'il te plaît. C'est mon navigateur qui a préparé une nave avec le soleil en face. On va se compter sur toi. Donc, on a la ville de Châtres. Châtres, tiens, regarde. C'est le gros édifice, énorme. L'image Juliette, sans évolution, consigne pour rejoindre le circuit. L'image Juliette, seule dans le circuit, numéro 1, rappel final 030. Numéro 1, on rappelle final, l'image Juliette. C'est quoi la fréquence pour le son? Alors, BK, ça sera 118.4. On a combien de travers maintenant? 18. Bah oui. Donc 20 degrés. Ça fait 10, au moins 10 degrés. Juliette, c'est vent arrière, main gauche, traverso incomplet. Image Juliette numéro 1, autorisez dès maintenant l'atterrissage 03, devant 0,60 degrés, 16 à 22 nœuds. Autorisez l'atterrissage 03, l'image Juliette. Voilà, on est plein, là il n'est pas encore complètement vide. Ah oui, tout de même, hein. Mais ça va quand même vite en fait, le transfert. Oui, ça fait 15, 35, ça fait 20 minutes. Ah oui, bah, c'est vrai que le temps passe vite aussi alors. Limoges, Fox Golf Delta, est-ce que vous voulez qu'on passe avec Aquitaine? Vous allez faire du carbu au sol? Golf Delta, ouais, on va trouver, ouais, 7000 pour le transpondeur et Aquitaine 120, 575. Au arrière pour le principe. 7000 au transpondeur et Aquitaine 120, décimal 575, Fox Golf Delta, merci, au revoir. Je sais pas du tout ce que je filme là. Donc on commence à avoir des petits reliefs sympathiques là. C'est quoi comme relief d'ailleurs ça? Je suis en train d'y réfléchir justement. Golf X-Ray Limoges. Golf X-Ray, vous arrivez en sortie du SIV Limoges, transpondeur 7000 et la suite avec Périgueux ou Aquitaine à convenance. Au revoir. Transpondeur 7000, la barbe avec Périgueux. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée. Haute-Vienne, les bandes en Bazac. C'est vraiment le bout là-bas. Là ici, j'arrive pas trop à déterminer. J'ai pas trop regardé après ce qu'on avait au sud. Charlie, on approche de Saint-Ginien pour quitter. J'ai Charlie, transpondeur 7000 et passe avec Saint-Ginien. Dernier QNH Limoges 1020. Bonne journée. 0-2-0, bon courage. Je suis Charlie avec Saint-Ginien. Prochaine. C'est dur là de regarder à droite. Hein. On a une grande ville tout au fond là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Je m'attendais pas à voir des reliefs comme ça, n'empêche. Non, moi non plus. Devant nous, quelque part, il y aurait l'Auvergne. Bah, on doit être sur les contreforts, hein, si on est dans la zone de Limoges. Bah, Limoges, c'est bien à droite quand même. Hein. Bah ouais, mais je vois que ça. Mais ça me paraît vachement tôt. Bah aussi.
Alors on avait 20 nœuds derrière. Roulez pour la pompe. Ouais. 10 nœuds derrière. Roulez pour la pompe et à tout de suite. Ah, ça vient de faiblir, on est passé de 9 à 8 à 12 nœuds. Merci, à tout de suite. En face à la... On est à combien? 7 minutes, 8 minutes presque. Ça va. C'est bien joli, n'empêche. Vous savez, quand ça commence les reliefs... Ah, on a une grande ville devant nous, là. Ah, ça doit être celle-là. Donc là on est supposé y passer à droite a priori. Enfin... Ouais. Ah bah mets-toi juste sur la droite s'il te plaît, là ça va nous rapprocher des petites montagnes là. Là tu passes dessus hein. En bas? Tu passes dessus là. Ouais. Je prends... Ah, c'est une ville jaune, hein, une grande, hein, c'est 3000 pieds là, 3003. Donc je la laisse en regarder à gauche ou droite? À droite là, mets-toi à droite là. Ouais, 10 degrés à droite ça suffira. Le vent nous pousse dans le bon sens donc c'est bien. Alors je sais pas ce que c'est ce patelin, le sol il est à 1900 pieds. Papa, bonjour. Donc 2000 pieds, on est 1000 pieds. Zulu Papa, bonjour. Dimanche info du Fox Golf Tango Zulu Papa, un DR400, deux personnes à bord en provenance de Briard, Lima Fox Echo India à destination de Saint-Julien. Lima Fox, bravo Juliette pour transiter 2500 pieds. Zulu Papa 70-30. Au transpondeur, le QNH 1020, transitaire, appelez-moi en vue de Saint-Julien. Transpondeur 70-30 et QNH, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Le QNH 1020, unité 020. Ah Jean-Luc, QNH, tu veux regarder dans le... 020 et on va faire en vue de donner la première feuille s'il te plaît de la VAC. Ouais. Merci. Bon Luçon, parfait. November Lima, Limoges. November Lima, go ahead. November Lima, you're approaching the field of Montluçon. Have you got the field in sight? Not yet, but yeah, we leave the call for frequency to contact them. We have it on the GPS, okay, fine. Yeah, that's approved. So, squawk 7000 and contact Montluçon information, Montluçon on air-to-air frequencies. The frequency is 118 decimal 4 by. Squawking 7000 and we contact Montluçon 118 decimal 4. Thank you sir, goodbye. Donc t'as vu à droite Jean-Luc, c'est sympa là. Ouais. On dirait même qu'il y a un espèce de bâtiment là. Ah oui, ouais, c'est bizarre. Montluçon de Fox Golf, novembre Lima, bonjour. Montluçon de Fox November Lima, un DR400, 3 personnes à bord en provenance de Lonnie à destination de vos installations. Vos installations sont estimées dans 4 minutes, on rappelle à la verticale dans 4 minutes, à 2900 pieds November Lima. S'il y a quelqu'un sur la fréquence, j'en suis preneur pour la piste en service, s'il vous plaît.
venue du vent, il y a des chances que, ouais, ouais c'est pas évident. Ça sera 35, hein, pour ouais, le vent. Ce que je vais tenter de dire. Hein. On a du 8 travers, ouais, ouais, 35 a priori. On a un visuel, je pense, là, sur le grand dégagement. Le truc là vers... Ouais, ça doit être ça, hein. On a un étang là-bas. Donc par le ouest, hein, le tour de piste par le ouest, 2400 pieds, et 35, voilà, et main gauche. Main droite, sur la 35, si c'est la 35. Main droite. C'est main droite. Main droite 35. Donc pour confirmer qu'on arrive sur le terrain, on va traverser on va passer une autoroute, juste à proximité. En tout cas, on a un grand lac là-bas, on a une grande trouée ici, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le terrain. Ok. Bon, le soir de Fox Novembre Lima, à 2 minutes 30 de vos installations, on rappelle vertical 2900 pieds Novembre Lima. Ouais, je vois une tour au sol. Ah, Jean-Luc, merci. Le ouest est par là, donc tour de piste par là. Ouais. Donc je vais faire... Donc t'as repéré où se trouve. Donc là je suis presque début vent arrière. C'est ça? Hein? Ouais je pense. Je suis presque début vent arrière. Tu confirmes? Ouais. La vent arrière elle est à gauche là-bas. Pas à gauche, de l'autre côté de la piste? Ouais ouais, les deux côtés là. Voilà. Oui, pardon, oui. On arrive comme ça. On arrive comme ça, la 35 elle part vers nous là. Donc tu regardes oui, et ensuite tu fais pardon. Ça là. Oui pardon, c'est... Bon je viens de ce là, c'est ça. Donc on a un visuel sur la tour. La biroute elle est juste au nord du taxiway qui est perpendiculaire et qui va entre la piste et la tour là. Hein? On voit l'air de machin j'ai l'impression. Ok donc là en arrivant comme ça et en virant bien. Il sera vertical de la biroute. Donc on indique que oui, là on a si la piste 35 on aura le vent de droite. Ouais. Donc à l'atterrissage manche à droite et à gauche. Je freine pas, je laisse rouler, je freine pas fort. Ouais. Donc j'arrondis bien et je laisse ça rouler sur, avant de toucher la roulette donnée. On est tranquille, on voit le peigne là, on voit les deux ouais. Bandes. Et derrière tu dois voir 700 ou 800 mètres de roulage. Ah, si tu touches sur les bandes. Alors, c'est vertical quasiment. Bon, le son de Fox Novembre Lima, vertical terrain, 3000 pieds pour reconnaissance. Ok, vent de droite confirmé, plein travers droit, tu vois. Ok. Et bon, de Fox Novembre, bonjour. Ah, oh, le choc. Ouais. Novembre, bonjour. Limoges 16972. Ah ouais. Ok. Elle tourne toujours la caméra 7? Ouais ouais, c'est bon. Et là elle vient de se prendre une carte. Ouais là. Ouais. Bon le son de Novembre Lima vertical terrain 3000 pieds. Je vous rappelle dans 1 minute 30 début vent arrière, piste 35, main droite pour un complet. Altitude, donc on a dit combien? 2009. Oui, 2900. 2900. Mets-toi bien parallèle à la piste à gauche, là. Ouais. Là, t'es en train de t'éloigner, t'es quasiment sur l'avant arrière, là. Ok, merci. Là, on est au-dessus du tour de piste, là, en fait. Ok, je corrige. Tu vois le petit village qui est là? Ouais. En gros, tu le mettras juste sur ta gauche. Tu seras un nautique du terrain. Ok, je corrige. Ah, mais c'était une bonne idée, regarde. Donc ouais, on a 10 nœuds de travers là, à travers. Bon, le centre de Novembre Lima, on est à l'éloignement 1 minute,
Je rappelle les deux vents arrière, main droite, piste 35 pour en complet. Ouvre un peu à gauche pour pouvoir faire ton demi-tour. Ok. Ah, je ferme. Donc on a l'axe terrain derrière nous là, voilà, tu peux te remettre sur l'axe 35. Ouais. 2009, on est bien. Un visuel sur le début de vent arrière là. Pour moi c'est bon. Ok, je tourne. Donc sur 17. Pas 6, c'est 16. Hein. Je tourne à droite, 30. Je vois rien à droite là. Donc tu vois le village qui est dans le bout d'aile derrière là-bas? Ouais. Donc ça tu te mets juste, tu le mets juste à ta gauche et tu es en début de vent arrière là en gros. Voilà. Là, si tu passes vertical du petit étang que ça fait, t'es en début de vent arrière là. nickel. Encore 200. 2400 pour le tour de piste, c'est parfait. Voilà, début de vent arrière. Bon, le fond de novembre, les mains des deux vents arrière, piste 35, main droite pour en compte. 2200 pour... non, 2400, pardon. 2400, ouais, ouais. Pump on. Et on grand volet. Ah, j'ai mis donc mais du 180 175 pour compenser le travers. Alors on est pile en boulette là. Et je dis plus rien. Pas de trafic au sol. Ok. En course finale, hein, tu me rappelles manche à droite. D'accord, manche à droite en finale. En droite. Tu te rates. Bon. C'est bon, tiens, tiens la distance. Passe le seuil. J'ai un cran de volet, j'ai la pompe, j'ai les phares, j'ai l'électricité, les instruments sont dans le vert, check. Vent arrière, terminé. Je tourne. Bon Luçon, novembre Lima, on passe en base, main droite pour un complet sur la 35, à bon Luçon. Ici. Donc on a 10 nœuds de travers droit.
Donc là, tu peux te remettre dans l'axe. Ouais, on est bon, on a de la hauteur, c'est parfait. Le travers droit comme prévu. On lui fait en devant au Lima en courte finale pour un complet sur la 35. Donc dimanche à droite. Affiché toujours. Confirmé par la biroute. Elle, 70 nœuds, tranquille. Parfait. Pas touché là. Loli, droite. Jouer Johan. Donc le taxiway il est après les deux grosses bandes là. Jourdine à droite. Non, juste après les deux petites bandes, pardon. Gros, c'est dans l'autre sens. Jouer Johan, bon atterrissage. Ouais. Ça bougeait un petit peu, bien corrigé. Bon, le son de novembre Lima, piste 35 dégagée, on roule vers la pompe. Voilà pourquoi pompe réchauffe de la compensateur roule tac tac tout bon. Donc on a touché à 54 hein. Encore il y a quelques gouttes avant de ouais. On le ferme avant de descendre. C'est bien ou ouais, c'est bien quand même. Hein. Ok, c'est bon. Donc, arrêt moteur, frein, parc, c'est côté électrique. Bon, le son le donne au ventre Lima à la pompe et on quitte la fréquence. Au revoir. Tac. Bon, ça a été Johan ? Très bien. Ouais. Ouais, c'était un peu de vent de travers, c'est un peu gênant à la fin, mais. Ouais, tu le sentais bien quand même ? Ouais, c'était j'étais tranquille parce que la piste est longue, donc j'ai laissé. Ouais, ouais, t'avais de la marge. Mais... Ouais. J'ai touché à 7 heures, mais c'était bien. Bon, bah c'est parfait. Hop. Okay. Allez, on va arrêter tout ça, on va faire le plein, manger, et on repart tranquillement. Yes. Alors, viens, vas-y, fais un petit claque de fin là, de synchronisation. Tape bien dans tes mains. Ouais, bien. Parfait. Voilà. T'as vu ? Ah, ça, c'est un claque. Je participe au montage maintenant. Toujours. Ouais, t'auras pas de rabais pour autant. C'est bon, tu on peux ouvrir. Ouvrir. Hop. Je note ça là. Alors, on a 1h53 ici, 1h54